Virginie Efira et Nils Schneider ont accueilli leur première enfant ensemble. Le 28 août, l'actrice a mis au monde dans une clinique parisienne un petit garçon, dont voici vous dévoile le prénom en exclusivité. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. Virginie Efira et Nils Schneider en savent quelque chose puisque de leur rencontre sur le tournage du film Un amour impossible, en 2018, est née une belle histoire d'amour. J'aime son regard sincère sur moi. Parce que nous nous aimons, nous nous disons la vérité, sinon cela n'aurait pas de sens. Quand nous partons en tournage chacun de notre côté, nous nous arrangeons pour ne pas laisser passer trop de temps sans nous voir, avait confié l'ancienne animatrice de 46 ans dans les colonnes de Paris Match. Du temps pour se voir, Virginie Efira et Nils Schneider vont en avoir puisqu'ils viennent de devenir parents. Le lundi 28 août, celle qui était déjà maman d'une fille prénommée Ali, 10 ans, fruit de sa relation avec le réalisateur Mabrouk El Mekri, a mis au monde un petit garçon, par césarienne, dans une clinique, à Paris. Un petit être dont votre magazine Voici est en mesure de vous révéler le prénom en exclusivité. Virginie Efira complètement gaga de son fils. Virginie Efira et Nils Schneider ont choisi de donner à leur fils un prénom plutôt original puisque le petit garçon se prénomme Hiro. C'est entouré de ses parents et de sa sœur Ali, venue pour l'occasion, que l'enfant a découvert son foyer pour la première fois, un appartement situé près de Bastille. La petite famille a quitté la clinique vendredi 1er septembre et l'ancienne animatrice de Nouvelle Star irradiait les lieux de bonheur. Des clichés attendrissants, à découvrir sans plus tarder dans les pages de votre magazine Voici. Tous les clichés de Virginie Efira et Nils Schneider quittant la maternité avec leur fils Hiro sont à retrouver dans les pages de votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 9 septembre.